Bonjour à tous et à toutes de François là. 14 uniforme Foxtrot 123, 14 FRS 3770 PMR. Petite vidéo rapide là, de la présentation là d'un ICOM IC756. Hein. Acquisition faite hier là sur le salon de Marennes. Donc un poste qui a déjà quelques petites années là, qui trafique tout mode hein, sur les bandes HF jusqu'à 50 MHz avec une puissance de 100 watts USB, LSB, FM et une puissance d'une quarantaine voire une cinquantaine de watts en modulation d'amplitude. Et pour l'alimentation, hein, même alimentation que pour le 991, le 450 et le Volksoon. La même alimentation, hein, télécom 30 ampères. Petite alimentation à découpage là, qui marche, ma foi, fort bien. Pour l'instant, l'appareil n'est pas branché au niveau. Au niveau des aériens, je vais vous simplement vous montrer comment à l'allumage il fonctionne. Voilà. Donc oui, comme l'antenne n'est pas branchée, malheureusement, ça ne peut pas, on ne peut pas avoir d'écoute dessus. Oui, ça va être un peu difficile de faire le point. Sur le poste, et je vais essayer de voilà d'avoir un autre mode parce que là c'est pas évident. Exit, il va me falloir level. Ah voilà, alors level ici. Voilà, il va falloir que je joue un petit peu sur les couleurs pour essayer d'avoir un peu plus de contraste pour que ce soit un petit peu plus lisible en espérant que ça fonctionne. Alors c'est peut-être pas là, j'essaye d'avoir monitor, peut-être monitoring, non c'est pas là. Allez, je le découvre en même temps que vous. Ah, voilà, c'est ici. Pour les contrastes. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près. Wow. Aïe, aïe, aïe. À peu près correct. Voilà. Peut-être beaucoup. Beaucoup mieux à ce niveau-là. Non, pas terrible. Au niveau de la définition, on essaie de faire quelque chose de convenable au niveau des réglages. Il est assez complexe à ce niveau-là. Au niveau de la visibilité, c'est quand même quelque chose. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je pense que c'est un petit peu plus lisible pour vous. Je vais remonter peut-être un petit peu ou descendre un petit peu plus. Ouais, on va essayer de faire ça. Voilà, exit. Donc, il comprend un double VFO, comme vous pouvez le voir. Un scope, hein, un waterfall. Des filtres. NBNR, deux sorties d'antenne hein, avec le choix qui est là, antenne 1, antenne 2, éventuellement pour le WFO, ça il faudrait que je branche l'antenne, des préamplis de réception, atténuateur, les filtres marchent vraiment convenablement.
Un Vox, un compresseur, et un tuner, boîte d'accord incorporée au niveau du poste. Voilà. Et pour ce qui est du S-Met, un S-Met à l'ancienne, hein. J'adore, moi, pour ma part. Je trouve plus précis que les S-Met à LED. Poste qui marche, ma foi, très bien sur son micro d'origine, là, qui est ici. Hein, petit micro à main avec montée et descente des canaux. Pas mal de filtres, hein, comme je disais. Pas mal de programmation aussi. On peut régler le spectre sur le waterfall. Très sympathique. On peut aussi marquer, comme vous pouvez le voir, marquer aussi sur waterfall. L'heure est réglable. Là, malheureusement, je l'avais mis à l'heure hier, mais j'ai débranché l'appareil. Donc, il doit y avoir peut-être une pile à l'intérieur qui n'est plus valable, puisque la mémoire s'est effacée. Voilà, donc quelques bons réglages très, très sympathiques à, je pense, à l'usage. Pour ce qui est des jacks, voilà, des jacks à l'ancienne, hein. Gros jack, hein, par rapport au jack actuel, hein, qui sont de format casque Walkman. Donc casque à l'ancienne, et puis pour ce qui est de la prise, hein, aussi. Prise à l'ancienne, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits réglages, hein. Le mic gain, la puissance, RF power, le compresseur, case speed, je pense que ça, éventuellement, c'est pour la C double, hein. Voilà, les touches, voilà, pour les modes, par exemple, là, je suis en USB, je peux passer en USB narrow. Si je reste le doigt appuyé sur SSB, on passe en LSB narrow. Je rappuie une fois LSB. Je reste appuyé, je passe en USB. Pour la C double, voilà, C double normal, C double narrow. Et ainsi de suite pour les commandes, pour la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence. En dessous, ce bouton-là, il va falloir que je cherche à quoi il correspond dans la notice. Lock, bien sûr, pour bloquer le vernier. Le clarifieur, le rite, pas mal de petites choses. Voilà, poste assez complet. La notice est ici, là, un bon petit pavé quand même à lire. Donc, je l'ai en anglais et je remercie l'OM là qui m'a vendu le poste d'avoir aussi traduit en français, parce que moi et la langue de Shakespeare, ça fait deux. Donc voilà pour la petite présentation de ce poste là, le ICOM IC756, hein. Voilà. Merci de laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Et pour le début de semaine, un bon début août. Hein, et d'excellentes vacances à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.